de conviction. Donc, les trois priorités qu'on a vues, les méthodes. On a dit, c'est les troubles dans la genèse, dans la transmission, et dans sa persistance. Est-ce qu'elle va rester ou elle va disparaître? Si elle va persister, c'est que c'est pas possible. Les troubles de conviction, les troubles de conviction sont plutôt liés à une interruption dans la transmission de l'activité. Généralement, entre les oreilles et les ventes. Ça veut dire entre les oreilles et les ventes. Alors, je décide maintenant le nœud allé, le nœud sinusal, les ballons fibreux, le vaisseau de l'hélice, le ventre de droite, le ventre de droite, le vaisseau de l'hélice. La branche droite, la branche gauche, avec ces deux éléments. C'est clair? Maintenant, l'activité électrique, la sorte du nœud sinusal, elle va vers le nœud entre le ventre populaire et le ventre conduction. Supposons que dans la conduction, dans les voies de conduction, elle prend beaucoup de temps. On a vu la fois passée dans le temps normal que l'intervalle il va être entre 0,12 et 0,20 secondes, c'est vrai? Si jamais il est intérieur à 0,12, c'est du pire coup. Selon delta, c'est la barre accessoire. S'il est supérieur à 0,20, c'est qu'il prend beaucoup de temps pour la transmission dans les voies de conduction. Et donc, vous avez un PR qui est lent. Ce PR-là qui est lent, qui dépasse les 0,20, qui est supérieur à 0,20, peut être 0,20, pas 0,28. Parce que généralement, on compte avec les petits KO. Le KO, c'est 0,04 secondes. C'est ce qu'on appelle le bloc auriculo ventriculaire du premier degré. Et ça, vous le voyez dans la rhumatisme articulaire aiguë, par exemple. L'inflammation des doigts. L'inflammation des doigts, ça donne un ralentissement dans la conduction. Le ralentissement dans la conduction, ça donne le bloc auriculo ventriculaire du premier degré. Il arrive que l'intervalle PR dans un premier temps est normal, puis l'intervalle PR il devient plus allongé, plus il devient plus allongé, puis vous avez une entrée bloquée, c'est-à-dire une entrée qui n'est pas suivie d'intervalle. Quand vous avez un intervalle PR qui s'allonge avec le temps, jusqu'à donner une entrée bloquée, ce qu'on appelle une entrée bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire une entrée bloquée? Il n'y a pas de pièce derrière. Elle n'a pas pu arriver au niveau des opportunités. PR normal, ça range, ça range encore plus jusqu'à une entrée bloquée. Ça s'appelle le bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré. Mobis 1, ce qu'on appelle également le lucianisme vertébral, puisque c'est le lucianisme qui a pu découvrir ça. PR s'allonge plus, PR s'allonge, l'escalier plus bloqué. Il arrive que le PR, il est constant. Le PR, il est constant. Jusqu'à avoir une entrée bloquée. C'est quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, le médecin qui est en train de faire l'électrocardiogramme, il n'a pas dans sa tête que le malade il va faire une entrée bloquée. Et on ne dit pas qu'il y a une entrée qui n'est pas suivie de faire, donc elle est bloquée. Là, ça s'appelle le Mobis 2. C'est la même chose. C'est le bloc entre le ventriculaire, deuxième degré, le Mobis 2. La différence entre les deux, c'est quoi? Entre les deux, c'est parce que dans le premier cas, c'est prévisible. Vous êtes médecin, vous êtes en train de faire le CG. Vous dites, ah, le PR est en train de s'allonger. Probablement, je vais avoir une entrée bloquée. C'est prévisible. Ça s'avance. Mais par contre, pour le deuxième cas, le PR, il est normal, enfin, il est constant, qu'il soit allongé ou normal. Mais le français, vous ne voyez pas un allongement progressif.
Si vous ne voyez pas d'allongement progressif dans votre tête, vous ne vous attendez pas à une autre paix qui sera bloquée. Et quand même, s'il y a une autre paix bloquée, ça s'appelle dans ce cas-là un mobitsuri. Il arrive maintenant que parfois, vous avez une autre paix conduite et une autre paix bloquée. Une autre paix conduite. Et ils n'ont pas conduit, ils n'ont pas bloqué, ils n'ont pas conduit, ils n'ont pas bloqué. Ça, ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire de pour un. C'est-à-dire que pour deux entrées, vous avez une pour le conduit et qui est bloquée. Et puis, vous avez. J'efface. C'est clair? C'est clair. De toute façon, vous avez tout ça dans le cours. Hein? Là, c'est pour vous expliquer, pour vous mettre un peu plus à l'aise en vous disant. Il arrive parfois que vous avez une entrée bloquée. Une entrée bloquée, une entrée bloquée, une entrée bloquée, une entrée bloquée. Quand vous avez plusieurs entrées qui sont bloquées et une entrée est conduite, ça c'est ce qu'on appelle le haut degré. C'est le bloc. La conduction est toujours là. Hein. C'est le bloc. On inclut le ventriculaire. De haut degré. C'est l'inverse. Tout à l'heure, vous avez vu le Mobitz 2. Le Mobitz 2, P-conduite. 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 Et puis, hop, une entrée bloquée. Alors qu'ici, c'est plutôt entrée bloquée, entrée bloquée, entrée bloquée, entrée bloquée, entrée bloquée. C'est vraiment l'inverse du Mobitz 2. Le Mobitz 2, vous avez plus d'entrées qui sont conduites que d'entrées bloquées. Le Mobitz, le haut degré, vous avez plutôt plus d'entrées bloquées que d'entrées conduites. Et ça, c'est correct. Mais la conduction, elle résiste quand même. Hein. Il y a des entrées qui arrivent à franchir les portes conduites normales et arrivent au niveau du ventre. Et puis, vous avez le complet, ou bien le troisième degré. Le troisième degré, c'est que l'entrée, elle ne pourra pas du tout apporter au niveau de l'entraînement. Mais comment la personne va vivre? Le bon Dieu nous a créé toujours des premières choses. Donc, il y a des. Vous avez vu que les cellules automatiques, c'est le nœud humain. Et quand le malade développe un bloc auriculo-ventriculaire, il y a des cellules ici qui vont prendre le relais de cellules automatiques pour donner ce qu'on appelle le foyer de champion. Le bloc auriculo-ventriculaire, vous avez une entrée bloquée, une entrée bloquée, une entrée bloquée, une entrée bloquée. Et puis le QRS qui vient, c'est pas pour ce qu'il y a en plus. L'entrée n'a pas franchi. Le QRS, c'est un foyer d'échappement qui prend ses origines au niveau des ventricules, ou bien au niveau des, en dessous des nœuds ventriculaires, pour permettre au malade de survivre le temps qu'il arrive à l'hôpital. Et si jamais, il n'a pas développé un foyer d'échappement et qui a que les entrées, ce qu'on appelle la systolie, si on ne sort pas le malade tout de suite en lui faisant ça, un pacemaker ou bien les ondes de supération temporale, il va mourir. Parce qu'il a besoin, on vient pas avec la stimulation ventriculaire, on vient avec la stimulation ventriculaire. On ne vient pas avec les entrées, on vient avec les QRS. Vous avez vu qu'on peut vivre avec une fibrillation auriculaire, il n'y a pas d'entrée. On vient avec la fibrillation auriculaire. Mais il faut qu'il y ait un QRS. Mais on ne peut pas vivre avec un tracé ou une fibrillation auriculaire. Et donc, les blocs auriculo-ventriculaires à 3 degrés, où le malade vit avec un premier échappement, et bien ce malade-là, si on ne va pas tout de suite le sauver par les fibrillations temporaires ou bien les ukraines, les autres années également que l'injecter pour le malade, ça va encore réveiller les foyers d'échappement. Eh bien, le traitement final pour ce genre de malade, c'est le pacemaker. Ce malade, comment il se présente?
Sur la lave, généralement, les maladies font le bloc au pied de la pompée, ou bien même de haut degré. C'est des malades qui font de la syncope à l'encore-pièce. C'est-à-dire, il est normal et or une syncope, une hyperconnaissance. C'est à l'encore-pièce. C'est imprévisible, aucun signe de peau de mort. La syncope, ce qu'on appelle le starsadas. Cette syncope-là, c'est un signe du bloc autour de votre cuillère. Parce que dans les autres, la syncope, elle donne qu'on a des signes des prodromes, des signes prodromes. Mais la syncope du bloc auriculo ventriculaire, dans la syncope, qui dans la systolie, c'est ce qu'on appelle le stock salaire, le malade est encore insensé rapidement. Il peut même se fracturer, il peut même avoir un problème crânien. Et quand vous faites l'électrocardiogramme, vous voyez qu'il a un bloc auriculo ventriculaire complet. Vous lui dites, non, monsieur, vous avez perdu de connaissance. Ça veut dire qu'il a perdu de connaissance. Et à un moment donné, il a perdu le foyer d'échappement. Il est devenu complètement asystolique. Très simple. Le bon Dieu qui nous a bien créés, il lui rend et il lui donne encore un autre foyer d'échappement et il va se réveiller. Il arrive à l'hôpital et vous dit, j'ai perdu de connaissance. Vous faites l'électrocardiogramme, vous voyez qu'il est en bloc avec le ventre populaire. Vous lui dites, non, monsieur, je dois vous hospitaliser. Parce que vous devez être un pacemaker, parce que vous nécessitez un pacemaker, parce que vous avez une interruption complète de la voie de conduction. Et il dit quoi cette interruption de la voie de conduction? Souvent, je vois chez le sujet âgé, c'est la fibrose. La fibrose qui s'installe avec le temps, c'est ce qu'on appelle la maladie de Ménègre également. C'est une maladie où la fibrose, elle constitue, les cellules sont remplacées par la fibrose et l'interruption de la. De la conduction sera faite progressivement. Ou bien, on peut avoir l'inflammation. L'inflammation, généralement, elle n'arrive pas au stade de bloc, mais il y a des malades qui arrivent au stade de bloc. Le premier degré, dedans, c'est le cas de l'insuffisance qui est aiguë, et qui termine, un PA qui est lent, c'est vrai quoi. Vous avez également les infections. Vous avez un accès au niveau de la conduction. Y compris le bas de conduction normal. Vous avez à côté toutes les pathologies, la maladie, les pathologies infectieuses, mais surtout également, il y a des choses qu'on voit souvent, c'est les intoxications de médicaments. Quand vous donnez des médicaments, tels que par exemple les parlements, les anti-arythmiques, vous risquez de provoquer un bloc au niveau de votre populaire, surtout sur un sujet qui est en résonance rénale, et hop, c'est. Mais là, généralement, on fait juste cesser à son endroit, parce qu'on sait que c'est réversible, en attendant l'élimination du médicament. Maintenant, si c'est chronique, si c'est pas réversible, il faut tout de suite électrostimuler le mal. Il faut savoir également que le bloc, le ventre pilaire, il peut avoir plusieurs sièges. On peut avoir le siège zonal. L'interruption, elle est là. On peut avoir au niveau du vis, l'interruption, elle est là. Comme on peut avoir l'interruption au niveau des deux branches. On peut vivre avec un bloc de branche droite seul. On peut vivre avec un bloc de branche gauche seul. Mais si les deux sont coupés, ça veut dire tout simplement c'est le bloc de branche qui est coupé. Ça, c'est l'étage global. Ça, c'est ici, un intra-ici, et ça, c'est intra-ici. Le bloc, quand il est là, le foyer d'échappement, il est plus ou moins rapide, aux alentours de 50 pulsations par minute. Si l'interruption est là, le foyer d'échappement, il a une fréquence d'amour acceptable, aux alentours de 40 pulsations par minute. Mais quand la coupure est là, le foyer d'échappement est là, et la fréquence est aux alentours de 30 pulsations par minute. Le malade est trop long, il est atomasthénique, il a des vertiges, il a besoin d'être électrostimulé de façon définitive. Voilà donc, on a vu les discours aujourd'hui. Les troubles de la conduction les plus importants et les troubles du rythme les plus importants. Et on ouvre la séance pour la discussion. Vous avez des questions à poser. On y va? Si vous avez des questions. C'est clair, c'est professeur. Ah, elle a compris, c'est bon.
phénomène de rentrée. C'est là, elle n'a pas compris tout à l'heure. Puis, comment? C'est Lina, elle nous a dit que j'ai pas bien compris le phénomène de réentrée maintenant. Merci, professeur. Voilà, très bien. Voilà. C'est pour certains mots, mais j'insiste sur certaines choses. La dernière partie, j'ai pas bien compris. Quelle partie? Il y a dans le cours l'ensemble de 4 ans, 13 de prison et le contexte de partout. Ça, c'est l'état qui tardit dans votre binaire. Dans l'état qui tardit dans votre binaire, je vais vous dire que c'est pour là, j'ai l'habitude de l'aborder dans les DD, dans les cours, dans les. Donc, on parle de beaucoup de choses dans les gamins et les DD. Chose qu'on n'est pas en train de faire, parce que c'est impossible. Voici donc, c'est quoi? D'abord, il va quitter un vivant et là. C'est très simple. La tactique du auriculaire, elle s'est ici. La tactique du auriculaire, elle s'est ici. Supposons que la tactique du auriculaire, c'est un phénomène de rentrée. Tout le monde se voit pas pour auriculaire. Ça, c'est la voie de conduction normale. Ça, c'est le 2 dans le pivot. L'autre activation, elle siège ici et elle est ici, les deux ventres bleus. Ça, c'est ce qu'on appelle la caractère du ventre pédale. La caractère du ventre pédale, donc l'autre activation, elle tourne ici. Elle peut s'engager dans les voies de conduction normale. Et elle ne va pas laisser le même si le monsieur nous a aidé là, il fonctionne. Et s'il veut descendre par là, il ne peut pas, parce qu'il va trouver que les voies de conduction sont déjà activées par le phénomène ici, elles ont le ventre bleu. Alors, de toute façon, je ne sais pas qu'elle est ventre bleu, là. Elle va simuler les ventres bleus. Elle peut même simuler de façon rétrograde les voies de conduction normales. Il arrive parfois que, avant que l'onde d'activation ne sorte du phénomène de circuit de la réentrée dans le ventre bleu, et avant qu'elle arrive au niveau des voies de conduction dans le sens rétrograde, le monsieur Nudel, il arrive quand même à exciter les ovaires et à descendre. S'il va descendre, il va exciter une partie des ventres clés. Et une grande partie, elle est simulée par le phénomène de réentrée dans l'extérieur. Donc, il y a une fusion entre ce complexe-là et ce complexe-là. Donc, le complexe de fusion, c'est un complexe qui est précédé d'une ventrée, mais qui n'est pas là et qui n'est pas là. Il n'est pas trop large parce qu'il n'y a pas que la capacité de ventrée qui est la seule. Il n'est pas là parce que il n'est pas seul et il n'est ni pas linéaire, il n'est pas seul. Il est précédé par le nombre parce qu'il vient en haut et c'est un complexe qu'on appelle de fusion. Et fusion entre le complexe normal et le complexe d'attaque. Ça s'appelle le complexe de fusion. Mais il arrive que l'onde d'activation n'est pas du tout, elle n'a pas encore du tout, elle n'a pas pu sortir de ça, de son coin, et que le dessus nasal, il active les oreillettes, il descend, il capture les deux ventres queues. S'il va capturer les deux ventres queues, il va vous donner un complexe queue à la fin, parce qu'il n'y a que lui qui a activé les ventres queues. Donc, c'est quoi la qualité du ventre queue avec des complexes de fusion, des complexes de capture? Ça, c'est la fusion, et ça, c'est la capture. Ça, il a pu capturer tout seul. Là, il a fusionné avec le complexe de la capture. Ça veut dire tout simplement, quand vous mettez les coups par demain pour votre mal, vous voyez le complexe qui arrive là, qui arrive là, et de temps en temps, vous voyez quelqu'un qui est ni là, ni pas. Ça, c'est la fusion. Parfois, vous voyez là, et puis, hop, il y a un qui est là. C'est comme ça. Ça, c'est la capture du ventre qui est là. Et ça, c'est un complexe de capture. Et ça vous permettra de le dire avec certitude, c'est-à-dire que c'est des signes pas tout le monde pour dire que le malade, il est en train de faire des attaques à l'eau. OK? Parce que quels sont les critères de l'attaque à l'eau? Premièrement, c'est le cœur qui est large. Deuxièmement, c'est la dissociation auriculaire ventriculaire. Vous avez complètement une dissociation auriculaire. Les oreillettes, les ventriculaires, ne les font pas. Il est sur sa dépendance, il est sur la dépendance de son foyer. Il n'a pas besoin de rien. Le cœur, il est large parce qu'il vient d'en bas.
Et puis vous avez surtout ce qu'on appelle les corps. Bien sûr, c'est pas tout à fait, on parle de la statue corpus supérieur en son temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une complète diffusion et une complète diffusion que je viens d'expliquer. Ok? Est-ce que c'est compris? Rassure-moi que c'est compris. J'ai bien compris, professeur. Merci. Très bien, parfait. Une autre question, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut considérer le bloc de branche gauche ou le bloc de branche droite comme un diagnostic différentiel avec le bloc auriculo ventriculaire? Comment? Est-ce que le bloc de branche gauche et le bloc de branche droite est un... Non, si les deux blocs, si les deux branches sont coupées en même temps, c'est le bloc auriculo ventriculaire complet. Maintenant, si le malade il a perdu connaissance, il a payé 5 ans. Et comme il arrive au niveau des urgences, vous faites le CG, vous voyez qu'il a un bloc de branche droite. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Qu'il a même un bloc de branche gauche. Et qu'il peut voter un VAB complet. D'accord? Les deux branches sont coupées. Enfin, deuxième complet. D'accord? Le bloc de branche droite, il peut précéder seul le bloc en plus complet. Le bloc de branche gauche seul peut précéder le bloc auriculo-ventriculaire complet. Mais maintenant, si les deux branches sont complètes, parce que c'est l'une, elle est fonctionnelle et l'autre, elle est malade, le bloc auriculo-ventriculaire. On dit qu'il y a un bloc de branche droite ou un bloc de branche gauche. Maintenant, si les deux sont coupés, c'est là le problème. Ok? C'est clair? Est-ce que j'ai répondu? Oui. Merci. Est-ce qu'elle a compris? Oui. D'accord. Combien il y a de participants? 24 secondes. Oui. Ils n'ont pas assisté, hein? Moi, je ne veux pas, il y a une idée, hein? Il n'est pas allé assister à ce cours. Ils sont à la maison, ils sont chez eux, hein? C'est un cours que je ne trouve pas le plus important. Il y a des choses que les gens, même dans les livres, on ne vous dit pas ça, d'accord? Donc, il y a des trucs sur lesquels j'insiste, c'est des choses que vous ne trouverez pas là, ça sur le plan. Encore, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a une question, est-ce qu'il peut répéter les BSA rapidement? Et c'est quoi les signes qui arrivent avec le bloc auriculo-ventriculaire, troisième degré, j'ai pas entendu le mot. Comment est-ce qu'elle a dit? Le signe qui arrive avec le bloc auriculo-ventriculaire. Et qu'est-ce que ça se passe? Le signe qui arrive avec le bloc auriculo-ventriculaire troisième degré. Elle n'a pas entendu, je pense, l'internat. C'est la syncope, c'est la perte de connaissance, c'est le stock sadax. Il est dans le cou, vous le voyez dans le cou. Donc, c'est bon, pas d'autres questions. Okay.